3 en sa bonne étoile, l'attaquant de 25 ans n'en finit pas de progresser vers les sommets du foot français. Istres en national, Tours en Ligue 2 et Montpellier depuis 2 ans. Olivier figure dans le trio de tête des attaquants de Ligue 1, efficace devant le but, mais efficace aussi lorsqu'il faut faire jouer ses partenaires. Je suis encore plus efficace devant le but, même si l'année dernière, par rapport au nombre d'occasions que j'ai eues, j'étais heureux d'en avoir mis 12. Donc voilà, j'ai progressé aussi sûrement dans le jeu. Toujours améliorer ce fameux ratio ballon touché et ballon gagné, quoi, pas perdu. C'est dans cette conservation du ballon et dans cette efficacité dans toutes les zones du terrain que j'ai progressé et que je compte bien continuer à progresser. Ouais. Olivier Giroud a également trouvé ses marques en dehors du terrain. Un groupe d'amis et de connaissances et des lieux qu'il affectionne particulièrement, comme ce restaurant près du tennis de la Pierre Rouge à Montpellier. Très tôt, Olivier a tapé dans un ballon sans pour autant en faire son rêve. À partir de 5-6 ans, on m'a mis au foot et après j'avais tout le temps un ballon dans la main. Donc voilà, j'étais vraiment passionné, mais de là à dire que je voulais en faire mon métier, c'était un peu précoce. Et j'ai vraiment pris conscience que voilà, quand j'étais en centre de formation à 16-17 ans, que je pouvais faire une carrière, j'ai pris vraiment confiance en moi, j'ai pris conscience de mes qualités. Et après, show must go on, quoi, c'est parti. Voilà un homme ambitieux, mais qui sait attendre. Chaque chose en son temps, c'est un petit peu sa philosophie. Mais aujourd'hui, vu son niveau de performance, il a le droit de formuler ses plus beaux souhaits. Jouer la Ligue des Champions et pourquoi pas, un rêve. Pourquoi pas jouer une compétition internationale avec la France, ce serait ma plus grande fierté.